cela devrait calmer les taxis. Le service Uber Pop sera bientôt interdit en France. C'est ce qu'a annoncé ce matin le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Oui, le dossier il est déjà réglé puisque la justice a déjà reconnu le caractère illégal de l'application Uber Pop. C'est pas la société Uber qui sera interdite en France, c'est l'application telle qu'elle est. Si elle n'est pas modifiée, elle sera bien évidemment interdite au 1er janvier 2015. Pour les chauffeurs de taxi, malgré cette annonce, rien n'est encore gagné. En soi, on est satisfait, mais comme vous le savez, tant qu'il n'y a rien d'écrit, on ne va pas y croire, madame. Voilà, et maintenant, comme on dit, on est content. Mais voilà, maintenant, on va pas négliger ce que l'État nous a dit, parce que comme on dit chez nous, les montagnes sont faites de petites pierres, madame. Uber Pop hors la loi au 1er janvier 2015. Pourtant, il y a 3 jours, le tribunal de commerce avait validé l'existence de ce service. Pour le PDG d'Uber Europe, l'application est donc bien légale. Vous souhaitez vous lancer dans une activité de type Uber Pop, vous allez vite vous rendre compte qu'effectivement, si vous voulez faire une activité à but lucratif, vous n'avez aucun intérêt à rester sur Uber Pop. Ce n'est pas une concurrence au taxi. Donc, dans le cadre d'une activité qui n'est pas un travail, qui est une activité complémentaire, qui se fait par des individus qui ont une voiture et qui la mettent à disposition. Et en même temps, Uber Pop regroupe des chauffeurs non professionnels qui n'ont, selon la loi, pas le droit d'exercer. Mais ces dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur. L'application devrait donc sa survie à une ambiguïté juridique.